on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai le haut pied. Non, sérieusement, on est en week-end. Ouais. Donc, dans un petit lieu assez sympathique. Ouais. Maman vous a montré l'extérieur un petit peu avant. Donc, c'est une ancienne taverne, la taverne La Tête Noire. Ouais. Donc voilà. Qui a été bien réaménagé, vraiment sympa. Oui, donc on vous montrera au fur et à mesure qu'on ira faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. Donc le propriétaire a créé sa propre bière. Ouais. Qui s'appelle La Tête Noire. On vous mettra le lien dans la description. Ils ont carrément le site du gîte avec les informations sur la bière. Et juste pour dire, vous verrez tout ça sur le site, en fait, toutes les ventes de bière, tous les bénéfices vont à des associations. Donc là, c'est un petit Léo, je crois, une association pour un petit Léo, pour un enfant malade, il me semble. Je vais aller regarder tout ça. Et je vous mets le lien dans la description si vous voulez en connaître un peu plus. La bière est en vente sur le site. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous me voyez avec une carte postale dans la main depuis tout à l'heure, vous voyez, mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite chasse au trésor. Ouais. Donc on va dissimuler d'autres cartes qui sont déjà cachées, on vous montrera tout à l'heure. Donc la première sera comme ça. Ouais. Est-ce que je dis ce qu'on a écrit? Non. C'est des petites énigmes pour trouver les autres cartes. Et en fait, c'est juste une petite chasse aux cartes, comme ça, pour... Pour les prochaines personnes qui viendront ici, ouais. Du coup, ils feront... C'est pour inciter les gens à aller dans toutes les pièces, pour vraiment voir tout ce qu'il y a dans les pièces, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, il n'y en a pas dans toutes les pièces, hein, d'accord? Les toilettes, on n'en a pas mis, parce que c'est au même étage que la salle de bain et la chambre. Ouais. Donc voilà. Bah, la première, on va la mettre en évidence, voilà. Pour que les gens, ça les incite à regarder. Et puis les trois autres sont cachées. Enfin, il y en a deux de cachées, l'autre qui est assez voyante. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti. Donc celle-là, on a déjà un petit peu réfléchi. On va la mettre en évidence. Donc, juste là. Je crois qu'on la mettait sur la table. Exact. En fait, on la met en évidence, sur la juste table. Là. Donc, je vous montre un peu la pièce. En... Bon, elle n'est pas très grande, hein. C'est une taverne, donc voilà. Donc là, il y a un petit fauteuil, un petit miroir d'époque. Là, on a un banc d'église. C'est pratiquement que de la récup, hein, ici, de la récup, antiquité, etc. C'est vraiment... Et puis, il y a aussi des œuvres d'art. Voilà. De plusieurs artistes. En fait, ils accueillent des artistes ici. Ouais. Donc, vous pouvez y aller et tout ça pour un petit week-end. Mais en fait, ils accueillent aussi des artistes, des fois, qui exposent leurs œuvres. Voilà, c'est ça. Donc là, on a un chevalier. Donc, avec le bouclier qui est là. L'épée. Ouais, c'est vraiment sympa. L'épée qui ressemble à une ville. Là, on a un cendrier médiéval. Voilà, une petite décoration ancienne. Et on monte. Le dernier, une tête noire. Allez, tout de suite, monsieur. C'est une bonne dégustation, monsieur. Merci. Tavernier, un Luca Esti, s'il te plaît. Dans ton bocal? Oui. Un Luca Esti du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge. Oui. Oh. Donc là, voilà, il y a encore des œuvres d'exposer. Donc ici... Donc là, toutes les œuvres sont à vendre s'il y en a
qui aiment pendant leur séjour. On a toutes les cartes de des artistes. J'avais pas vu, mais en fait, ce sont des clés. Ouais. On a décidé de vous montrer où étaient les cartes, puisque sur la dernière, en fait, quand les gens vont, qui louent cet endroit vont trouver la dernière carte, ils ont possibilité d'aller sur la chaîne de Malone. Et puis du coup, ben, on leur dit qu'on explique la chasse au trésor dans la vidéo. Donc si ben, toutefois ils n'ont pas trouvé une des cartes, et ben, ils ont possibilité de la trouver grâce à la vidéo. Donc c'est pour ça qu'on vous montre où on a mis les cartes. Voilà. Donc là, c'est un ancien saloir. C'est là qu'ils conservaient la viande avec le sel, etc. Et la petite carte est juste là. Voilà. Avec l'énigme numéro 2. Donc, juste ça là. Ouais. C'est juste à côté de là où on est. Voilà, c'est ici derrière. Là. Donc en fait, on est à l'emballe. Voilà. À l'emballe en Bretagne. Voilà. Donc on va la remettre. Ouais. Là on a un autre petit tableau. Et le préféré. Et celui-ci. Donc en fait ça c'est la maison où on est maintenant. Ouais. En fait c'est la taverne. Ouais. Et en fait, elle a été abandonnée pendant de nombreuses années. Voilà, et les il y a eu des nouveaux propriétaires qui l'ont acheté, qui l'ont tout rénové, voilà, comme ça, et qui ont fait un gîte. Oui. Et le peintre qui a fait ça, en fait, il a mis des bras, des jambes, voilà, pour faire comme si, en fait, la maison revivait. Voilà, reprenait vie, ouais. Quand ils ont acheté la taverne, tout était en placo, tout était recouvert de placo, donc les murs en briques, tout était recouvert de placo, le saloir, etc. Donc ils ont vraiment tout enlevé et tout refait à l'ancienne, avec des murs de chaux et de chanvre, voilà. Donc là, en fait, le peintre, il a voulu symboliser la renaissance du gîte et de dire, bah voilà, il reprend vie. Comme un robot. Donc ça, cette œuvre-là n'est pas à vendre. C'est la seule qui n'est pas à vendre. Voilà. Allez, j'adore. Et celle qui est en bas, le chevalier. Le chevalier. Qui voilà. N'est pas à vendre non plus. C'est ça. Donc là, on monte. Donc, des petits bouquins sur l'emballe d'autrefois. Voilà. Avec les petites cartes du logis de la taverne. Je vous mettrai le lien dans la description parce que ça vaut vraiment le coup de voir le temps d'un week-end, c'est vraiment sympa. Une autre petite œuvre. Donc, ces œuvres-là, avec les couteaux, fourchettes, etc., c'est Bruno Pansart. Bruno Pansart. Donc là, on est dans La salle de bain et chambre. Voilà. Car il y a un clic-clac. Ouais. Donc, avec une baignoire. Juste trop originale. Ouais. Donc, juste ici, voilà. On a tiré ses plans pour en faire la toilette. Petit lavabo, matin. Voilà. Et après, quand on ouvre. Tadam ! Une petite carte postale. Voilà. De Fort Lalatte. Donc la petite carte juste là. Voilà. Avec l'énigme pour la prochaine. Numéro 3. Voilà. Énigme numéro 3 qui est en haut. En haut. Je vous montre rapidement la pièce. Donc la jolie baignoire. Avec le pichet à l'ancienne. Donc là vous avez une lumière passoire, j'adore. C'est extra. Et là-bas, un peu plus moderne. Ouais, une petite lumière. Donc là, il y a une autre œuvre.
La petite penderie, j'adore. Très bonne idée de recyclage. Voilà, il y a des petites choses un peu partout. Alors, la particularité de la taverne, vous voyez, là, je suis droite, moi. Les fenêtres sont pas très, très droites, hein. C'est pas d'équerre. Ouais. Et ils ont gardé vraiment les ouvertures d'origine. Et c'est les joints d'origine. Ce sont les fenêtres d'origine, voilà. On va pas ouvrir celle-là, je vous montrerai. On voit pas très bien. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment... les ouvertures d'origine. Voilà. Avec le restaurant de la tête noire en dessous qui commence à faire sa mise en place. Alors, vas-tu réussir à fermer à l'ancienne? Ouais, trop fort. Voilà. Les gens font un maximum attention à l'écologie. Oui. Donc en poubelle, on a des sacs en papier, style les sacs McDo, là, les sacs Kraft. Il y a, voilà, c'est une petite poubelle recyclée. Voilà, c'est vraiment... Il faut vraiment très gaffe. Ouais, un maximum, ils font attention un maximum à l'écologie. Donc ça, c'est bien, c'est un plus. Nous, on adhère. Et pour les toilettes, une porte. Excellente. Ouais. Donc de la déco aussi, hein. Voilà, donc ici on a un très vieux téléphone. C'est extra, hein. Donc, voilà, le petit téléphone. Tu te remets. Ok. Un petit chaudron en guise de poubelle. Et un coffre-fort pour le papier. La déco. C'est sympa. Mais il est beau le coffre, hein. Il est vraiment vieux et c'est vraiment joli. Hein. Hop, et on monte au dernier étage. Donc, la dernière lecture pour ceux qui aiment. Donc là, on a la chambre avec un système de volets coulissant à l'ancienne. Extra. Et après, tu fais comme ça. Que la lumière fume. Donc on a un joli fauteuil, un beau lit, le petit coin toilette, avec les jolis miroirs, petite porte factice. On peut l'atteindre. Non. Et la dernière est mise en évidence. Voilà. Pour que ce soit plus simple. Voilà. Et puis donc, on leur souhaite un bon séjour. Voilà. Donc, félicitations, tu as trouvé les 4 jolies cartes. N'hésite pas à aller visiter ces lieux. Nous te souhaitons un très bon séjour à la taverne de la Tête Noire. Retrouve la mise en place de cette chasse au trésor sur ma chaîne YouTube Malone Detect Science. Malone, Lily et Julien. Voilà. Et voilà, la visite est terminée. Qu'est-ce que tu as pensé de cette, ce week-end à la taverne? Bah, c'était bien. Ouais, hein, l'endroit est vraiment sympa. Décor, ouais, le décor est vraiment sympa. Et plein de choses originales, ouais. Hop. Est-ce que tu conseilles ce lieu? Oui. À 100%. À 100%. La dame était juste adorable. Oui. Hein, très, très bon accueil. Elle nous a bien conseillé sur des choses à voir. Voilà, donc vraiment un accueil super, au top. Un lieu vraiment très propre. Oui. C'est nickel. Y a tout ce qu'il faut. Oui. Voilà. C'est vraiment super bien ici. Voilà, c'est bien agencé. Voilà.
Et puis c'est magnifiquement décoré, franchement nous on adore. Ouais, ce style là on adore. Et Malone a toujours le hockey depuis le début. Donc si t'as aimé cette petite vidéo chasse au trésor, enfin mise en place de chasse au trésor, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, abonne-toi, commente et partage cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et suis-moi sur mes réseaux sociaux. Bye bye tout le monde. Et allez voir le site, ça vaut le coup. Allez, bye bye. Je sais pas si tu vas réussir à t'enfermer dedans. Au revoir. On dit chou.